Salut tout le monde, c'est Terreur78 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Mondi. Donc ce Mondi, c'est un très vieux Mondi plutôt, puisque c'est que j'avais filmé vers mai-juin, le jour où j'avais récupéré mon Avermedia. Donc je suis désolé pour ce gros retard que j'ai eu pour faire cette vidéo, puisque ça m'a... Parce que même étant passé, même ayant changé, arrêté l'HDPVR, ça me fait toujours les mêmes choses, puisque j'avais pour les, surtout pour les rendus interminables et le fichier lourd. Donc c'est pour, donc voilà. Après avec deux trois logiciels, après je trouve le moyen de faire une vidéo moins lourde. Donc voilà. Donc ce Mondi, c'est un très très vieux Mondi, alors que voilà. J'avais filmé ce soir, c'était un Mondi que j'avais filmé une quarantaine de minutes, c'était un Mondi vraiment sympa. Il y a Jimmy Shaker dans ce Mondi, après il y avait d'autres gens, après vous verrez ça tout à l'heure, je vais pas vous gâcher la surprise. Après c'était super, après c'était bien ce Mondi, excusez-moi si je bégaye. J'avais aimé ce petit Mondi, c'était... Même si après ça c'est un petit peu... Il y a des moments, certaines fois, certaines... Même ce Mondi, c'est parti un petit peu en couille. Vous comprenez pourquoi. Donc sachez que la plupart des maps seront... Alors il y a quelques maps que je ne montrerai pas, puisque que vous verrez dans le Epic Races numéro 3 pour le bordel, et surtout comment ça va, surtout pour le verdict. Vous verrez pourquoi. Donc maintenant j'ai fait parler de ce que j'avais à me dire. On va passer par cette map. Donc un petit quartier de Fino qui était plutôt tranquille, que j'avais bien débuté. Même si je me suis fait rouger, j'ai pu revenir un, et j'avais je m'excuse rapidement à Jimmy Shaker pour l'avoir involontairement écrasé, puisque je voulais me débarrasser déjà de Egg avec ses trois rouges et de CFT pour vraiment qu'on fasse un top 2 pour être bien. Parce que Jimmy Shaker, j'ai vraiment pas... Parce que Jimmy Shaker, c'est vraiment un type sympa, qui soit sur MK ou sur Skype. Je vous montrerai peut-être sa chaîne YouTube, puisqu'il y a une petite chaîne avec des vidéos sympas. Donc voilà. Donc là je viens de finir tranquillement avec une petite longueur d'avance. Et je vois Jimmy Shaker finir 2. Donc on va tranquillement faire un petit top 2. Comme vous voyez dans ce classement, donc voilà, premier, Jimmy, deuxième, et après les autres, je m'en fiche. Donc voilà. Maintenant, on va passer au PC 64 avec du bon monde. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce Mondi? Dans ce CFT, on a Ichigo Kim Sarja, donc Melodia, il y avait Sasa. Alors, Midori, c'est... alors, c'est qu'un jour, une personne que je n'ai connue, que j'ai connue un ou deux mois après, puisque... Comme on se connaissait pas, on s'est fait quelques vacheries. Donc voilà. Donc là, comme vous voyez, là je me suis fait péter le wheel et je viens de passer 7. Donc j'ai 3 shrooms. Je vais attendre le bon moment pour les spammer. Donc là, on va plutôt les spammer tout de suite pour essayer d'avoir un bon item. Non, on va plutôt les garder et essayer de faire quelque chose avec. Là, comme vous voyez, le monde est très sympa et le niveau est correct. Il y a eu pas mal de gens dans ce Mondi. Après, il y a des gens aussi qui ont été un petit peu chiants, comme ce Such 93A et le CFT. Après, il y a encore eu d'autres personnes, je sais plus trop qui c'est. Enfin, vous verrez pourquoi. Donc là, je viens de faire le petit cut tranquillement, sans problème. Je me fais péter le wheel par un Such ET. Je vois 93AT, je vois Ichigo qui lance la bleue. Le cheveu qui tombe pile en ayant mon item, donc ça c'est dommage. Donc là je vais me retrouver sans item. Donc là devant il y a beaucoup de monde. Là, je prends la spi pour pas grand chose. Là je vois un bill arriver, on essaie de l'éviter, et malheureusement non, je me fais dégommer par Twitch RALD. Je sais plus comment ça s'écrit, hein. Donc ouais, ton Twitch RALD. Là je suis 2 avec un petit item et je vais me taper un doré. Donc là l'item parfait pour bien gratter le monde, bien cuter. Donc ça c'est l'item qu'il faut. Et malheureusement
Je vais me t'apprendre ce build Nesting Egg, donc ça va me faire encore plus chiant. Donc là, je vais me retrouver dernier. Mais heureusement, j'apprends des items. Et qu'est-ce que j'ai comme item? Une étoile. Donc là, je vais attendre le moment pour combiner. Et peut-être avoir de quoi. Peut-être dodger le choc si l'un d'entre eux a le choc. Et quand on parle de choc, je vais dire un petit merci à Assassin qui avait le choc, puisqu'elle me l'avait dit sur Skype. Donc je la remercie personnellement pour ce petit choc qu'elle a envoyé. Donc j'ai plus de dodge. Et là, comme vous voyez, je suis en train de gratter tout le monde. Et voilà comment je frôle de justesse ce bill. Ce bill signé Ichigo. Donc là, j'ai un petit méga, je me prends le Zap sans problème de Serenity, je me dis un bon moment et là je vais l'utiliser. Donc là vous voyez, je me suis servi de mon méga pour éviter que le Zappy il est clos. Là je fais un petit snipe à la bombe sur Midori qui paye pas. Et là je vois Midori se faire peut-être prendre un fake par le 1. Donc moi je passe 2 avec une verte en dernier item, donc ça va pas trop poser problème puisque le cut je le passe au calme, donc je finirai bien 2 sur cette map. Donc voilà, après bah les autres, après on va voyez les autres qui vont terminer. Donc je vois Midori, il y a Jimmy Shaker et après après vous voyez les autres terminer. Donc c'était Ichigo qui a fini d'arriver, donc dommage à lui. Et puis après vous voyez le reste. Ensuite on va passer à la mine Wario. Et cette map est une des représentations parfaites pour certaines personnes qui disent que je suis un gros chatteux. Après vous pourrez peut-être le confirmer aux commentaires, mais beaucoup de gens me disent que je suis un gros chatteux. Et cette map est une représentation pourquoi. Donc là je passe un tranquillement avec ma petite verte. Et je remercie Midori pour cette rouge qui s'est pris à ma place. Donc enfin je suis pas vraiment sérieux. Là je vois Ichigo me péter le wheel. Je vois Twitch Rald m'envoyer dans le mur. Là je me débarrasse d'un fake. Et je vois CFT qui m'a foncé dessus avec ses trois verres. Donc ça m'a pénalisé. Et comme si ça suffisait pas le choc. Donc là je suis 4-5-3 avec un petit shroom. J'attends le bon moment. Et je me prends ce petit snipe à la bombe là inattendu. Donc ça m'a. Franchement là je m'en suis pris plein la tronche. Mais bon, c'est le début de la course. Tout est encore possible. Donc là je suis 9-10. J'ai une petite étoile, je vais attendre un bon moment pour l'utiliser puisque il y a une minute et je me dis le choc ne va pas tarder. Donc là j'utilise ma première étoile. Là j'en ai une deuxième, je vais attendre encore un petit moment pour l'utiliser. Donc là j'utilise tout de suite et je vais peut-être espérer avoir un petit choc qui tombe. Et malheureusement, et oui, le choc qui tombe, c'est exaucé. Et je vois le pauvre Melodia là se faire target choc. Donc c'est pas super pour lui. Donc là j'ai rattrapé CFT, le choc qui tombe. J'ai le pot qui tombe, là CFT repasse 1 avec une verte au cul, donc je vais éviter de le foncer dessus. Là c'est le troisième tour. Un petit item. Et on a un petit shroom pour en espérant le dépasser. Et voyez, regardez ça, la bleue. Et le CFT a préféré se suicider plutôt que se taper cette bleue. Donc là j'ai mon petit shroom que je perds avec le choc. Donc je pensais pouvoir éviter le prochain choc qui tombe, mais en fait non, éviter la prochaine bleue, mais en fait non, le choc tombe, mais ça m'a... Je suis pas protégé en cas de bleu. Donc comme si ça suffisait pas, j'ai un fake, donc qui me sert à rien, puisque on sait jamais s'il y a une rouge, donc là je m'en débarrasse, et j'ai une banane, donc pour vraiment finir tranquillement cette map. Donc là, malheureusement, je rate le poteau, mais je finirai tranquillement je vois une personne... faire du reverse, donc c'est Ichigo. Donc pour lui la map est vraiment foutue pour lui, et c'est dommage pour lui. Après il y a les autres qui vont finir leur map, donc ça va se terminer maintenant. Donc là j'ai fini tranquillement 1, le CFT il a réussi à finir 3 alors qu'il avait la bleue et qu'il s'était suicidé. Puis après les autres, il y en a qui sont débrouillés, il y en a qui sont vraiment mal déployés. Donc voilà. Ensuite, on va passer un petit TF, et cette map, je sais pas trop quoi vous dire. Donc, pour cette map, je vais d'abord vous préciser, c'est pour la parenthèse, pourquoi il y a l'image de mon haveur entre chaque map, puisque voilà, c'était
vraiment une vidéo que j'avais vraiment faite, une de mes premières vidéos avec l'Avermedia. Donc après j'ai voulu vraiment célébrer, faire honneur à cette capture. Après il y en a qui peuvent trouver ça bête, stupide. Après, on s'exprime à sa façon. Donc là vous voyez cette petite rouille, cette petite fake que j'ai bien mise dans la gueule de ce Chotch T. Donc là je suis un tranquillement. Et comme je vous dis, cette map, je me suis vraiment bien démené sur celle-ci. Donc vous allez voir pourquoi, puisque là je suis tranquillement un. Il n'y a personne qui me rouge, il n'y a pas de bleu, enfin pour l'instant, puisque bien sûr des fois la vie n'est pas toujours rose. Elle n'est pas toujours comme on souhaite. Donc là j'hésite pas à avoir un bon item pour me protéger. Donc j'ai toujours un fake, donc toujours pas de banane. Le petit qui tombe mais qui ne me pose pas de problème, puisque j'ai réussi à bien négocier les virages avec ma Bowser Bécane. Là on a. Et franchement là je me suis dit, bon, là en item j'ai que des fakes, puisque c'est vraiment pas l'item qu'il faut avoir des trucs comme des bananes ou des verres pour se protéger. Et moi comme je vous disais, la bleue qui tombe. Donc ça me pénalise un petit peu. Là je vois Jimmy passer un. Donc là, comme c'est vraiment un type sympa, je vais vraiment, et on se comprend tous les deux, on se fait rien. Et sachez que j'avais pas dit que cette vidéo, j'étais pas en Skype Co, j'étais tout seul, j'étais concentré sur ces maps. Et donc là, on fait top 2 tranquille, et voilà, Midori derrière. Et la bleue qui tombe pour Jimmy Shaker, lui il a pris l'intelligence de s'arrêter pour se taper le boost. D'ailleurs, donc ça a marché. Donc moi je vais tranquillement finir cette map pour moi. Et comment je l'ai vraiment bien fait, ça m'a posé aucun problème. Et je vais finir tranquillement un. Parce que je voulais vous dire, cette map j'ai géré comme presque comme un chef. Même si c'est bleu m'a un petit peu cassé la map, le super run. Mais bon, là un autre choc est tombé. Jimmy a vraiment bien fait son coup pour finir à une bonne place. Donc voilà. Pour certains ça finit bien, pour d'autres ça se finit mal. Donc on va voir le classement. Donc je fais un top 3 avec Sasa et Midori. Et Jimmy Shaker pour celle bleue, il réussit à finir 5. Et Melody aussi s'en est bien sorti en finissant 6. Et franchement, sur ces maps, on s'est tous bien débrouillés. Donc maintenant on va passer au GBA3. Et cette map, c'est tout le contraire de tout ce qui s'est passé. Donc là je fais un départ à part pour espérer bien commencer et pouvoir en dire à côté. Donc vous voyez déjà là j'ai un petit doré. Donc là je me dis c'est l'item parfait pour cutter, en espérant que personne lock avec une banane ou un fake. Mais malheureusement ce cut il a été malheureusement lock avec deux bananes. Donc là le cut il est mort de chez mort. Mais bon, j'ai quand même mon doré, je vais attendre un petit moment pour le spammer, pour bien gratter les. Pour peut-être passer un. Et malheureusement, il y a le choc qui tombe. Donc mon doré, je peux le dire au revoir. Donc là je suis 4. En item, j'ai un petit shroom. Je vais attendre un petit moment pour l'utiliser. Donc je vais spammer l'utiliser tout de suite. Là on va passer 4 avec Serenity et CFT. Je me fie de ces gens puisque moi déjà je les connais pas et on s'attend à rien. Et le CFT qui débarque là, qui débarque par magie avec son média. Donc il m'écrase, je permets 3 shrooms. Du coup en item j'ai 3 verres, donc c'est pas l'item parfait. Et là je voyais Egghead avec son étoile, peut-être me troller, je sais pas pourquoi il s'est arrêté, mais c'était pas super de sa part. Donc là je voyais une banane, là j'espère que... Je pensais que t'es avec mes 3 shrooms, mais en fait il y a toujours une banane sur les deux. Donc voilà. Donc là j'ai une petite étoile, je l'utilise tout de suite comme il y a le poquiton. Donc là j'en ai une autre, je vais attendre encore un autre moment pour l'utiliser. Donc là je vais finalement combiner, j'ai un petit bloop. Là c'est le bordel et vous voyez là ce nouveau choc que je dodge. Et je m'excuse personnellement à Sasa pour la poutre l'étoile, c'était involontaire. Donc désolé. Donc là, troisième tour, je suis quatrième avec Ichiko devant, CFT. Là, il y a une bleue qui est tombée, elle est pour Midori. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, pour les vacheries, ces petites vacheries, la petite vacherie sur les 3 rouges, donc désolé Midori. Donc là, je vois CFT qui a bien lâché sa banane pour bien casser le run.
Malheureusement, le lock le qui est toujours lock. Et ce fait qu'il a posé, je pensais pour l'éviter, en fait, non. Et comme si ça suffisait pas, j'ai ce petit zap là, je vais essayer de m'en débarrasser puisque ça me péterait toute ma map. Et en fait, non, le pot qui tombe, mes trois rouges que je perds et le zap qui clôt sur moi. Donc la map, ça va être un petit peu, elle va être peut-être un petit peu amère cette map pour moi. Donc là, j'ai le petit doré, j'hésite pas à le spammer en disant que c'est, tout est encore possible. Malheureusement, on pète le oui, je suis dans le mur. En fait, non. Je vais bel et bien finir 8 sur cette map, donc ça me casse un petit peu la map et je serai bien bel et bien 8 et cette 8ème place qui me fait bien mal puisque j'ai avec moins 120 points là ça me tue un petit peu, mais bon, on relâche pas, on va essayer de faire autrement. Maintenant, on va faire un petit circuit Luigi, bien sûr, puisque comme des fois, il y en a qui savent pas voter, il y en a qui votent de la merde. Donc là, on va commencer cette avec comme item une étoile et je me prends. Et ce fait que j'avais à peine le temps d'éviter, il fallait que je me le prenne dans la gueule. Ça, c'est pas super. Le such 9-3 devant. Il tire en étoile, je sais qu'il va rien me faire. Ça non plus. Là, je préfère garder tout, comme d'habitude, je préfère garder mon étoile. En cas où s'il y aurait un choc qui tombe, puisqu'on sait jamais, des fois le choc peut tomber à n'importe quel moment. Non, là je ferais toujours pas combiner là, peut-être attendre peut-être un petit peu plus tard, on sait vraiment jamais. Donc là finalement j'utilise et je me dis peut-être le choc pourrait tomber. Non, il tombera pas. Et là ça se bouscule de tous les sens, il y avait Jimmy Schuert qui m'a bousculé tout à l'heure, Melodia derrière. Le choc qui tombe. Je vois un mec en biche, je me décale et je me fais violemment démonter en étoile par Twitch Rald. Donc là, je vais me retrouver dernier avec trois shrooms et c'est pas l'item qu'il faut. Après, je m'attends à un doré, une étoile, voire même un bill. Donc là, un autre mon dernier et j'ai l'item qu'il faut, une étoile. Donc je vais l'utiliser tout de suite. On va prendre un autre item pour vraiment avoir une meilleure donne. Donc oui, trois shrooms, ça c'est s'il faut et ça paye. Donc je vais finir 4 avec ce CFT qui me gratte avec son bill. Et en fait non, je finirai 3 devant CFT. Donc après j'ai Jimmy Shaker qui a fini 2 et après les autres. Franchement, il y en a qui sont vraiment. Sur ce qu'on dit, il y en a qui, franchement, sur tout ce que je connais, il y en a qui sont vraiment débrouillés, y compris Midori. Voilà, maintenant on va passer au pic TK. Donc une map qui est sympa des fois, surtout en 150, puisqu'après le 106, des fois c'est saoulant. Donc là, je vois ce Mexique, j'ai pas à prononcer son nom, qui me prend l'item sous le nez. Je vois un zap qui circule, il y a un mec en bill. Il y avait aussi Foyos qui avait rejoint dans ce monde-y. Donc lui, c'est un mec que je connais depuis un petit bout de temps, il a toujours du très bon niveau. Là, on va faire le cut tranquillement, on va pas chercher à vouloir faire les super, parce que moi je sais même plus si on est en 150 ou 100 CC. Donc là, je vais essayer de prendre un petit item. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un zap et là, je me dis, oh, là, c'est vraiment pas le bon item à avoir, en espérant soit le donner à quelqu'un, soit pouvoir attendre le canon avant qu'il éclose. Et franchement, attendre le canon, c'est une très mauvaise idée, puisque comme vous voyez, il éclose et je me fais enfouir sur les poteaux Donc là, je me retrouve 7ème petit sans item. Enfin, là, je viens de grandir rapidement. Là, un petit item. Qu'est-ce que j'ai comme item? J'ai une étoile et je me dis, cette fois, le choc va tomber. Allez, on l'utilise, on sait jamais. Là, je passe par-dessus le premier item. Là, j'en ai un deuxième. Pour avoir une autre étoile, je l'utilise tout de suite, franchement. Là, il n'y a toujours pas de choc. Là, je me dis, quand est-ce qu'il va tomber? On sait jamais. Donc là, mon étoile s'est terminée. Donc le choc, je ne dodgerai pas. Là, je réussis le bord. Donc là, mes trois shrooms, j'utilise tout de suite, j'hésite pas. Toujours avoir un bon item, des fois ça peut toujours bien servir et des fois non, puisque comme vous voyez, j'ai encore un autre zap et je vais pas le donner à Jimmy Shaker comme le. Donc je vais essayer de m'en débarrasser, puisque avoir être petit au début du troisième tour, c'est un très mauvais début de la troisième map et comme ça suffisait pas, le mec il est dans mon débarrasser avec un méga. Donc là, j'ai un pot qui vient de faire tomber. Maintenant, j'ai une étoile.
J'hésite pas, je les utilise tout de suite. J'ai utilisé tout de suite, j'espère pouvoir doser un choc. Et en fait, non. Donc là, j'approche des derniers items, j'espère avoir quelque chose de bien. Donc 3 choum, ça va peut-être le faire. Donc et je vais finir 4ème. J'ai bien vu 4ème de la map devant Jimmy Shaker. Donc attendez que cette map se termine. Donc ouais, la map c'est bien. Donc là, la map elle est finie. Et je vais bien finir 4 devant Jimmy Shaker. Donc GG à Furious qui a fini premier sans problème. Puisque depuis le début de la map, depuis un moment dans la map, il était bien parti. Et franchement, c'était bien joué. Donc pour terminer cette vidéo, un petit automoule. Là où tout et n'importe quoi se passe. Comme Furious qui envoie un fake dans la gueule de Jimmy. Donc ça c'est pas super cool. Donc le Furious qui s'est bien parti. Donc là pour l'instant on fait un petit top 2 tranquillement jusqu'à que ce Such m'envoie dans l'herbe et qu'on pète encore le wheel. Là je vois tout le monde qui me dépasse et je vois ce petit bug spam là que bien venir dans ma gueule et comme j'étais vraiment distrait là je pouvais pas l'éviter. Là je passe 8 avec comme item un petit doré, donc ça c'est l'item. Là vraiment c'est vraiment mes items préférés, mes dorés, puisque des fois tu peux faire des sacré cuts et puis tu peux vraiment aller loin bien gratter. C'est vraiment mon item préféré dans ce jeu. Donc là j'ai 2 shrooms, je vais m'en débarrasser en espérant de pouvoir peut-être avoir une étoile. En fait non, j'ai un shroom, j'utilise tout de suite avec le zap qui tombe et je me fais, et comme si ça suffisait pas, je me suis fait vraiment démonter par Ichigo avec le choc qui tombe. Donc là ça m'a vraiment pénalisé. Regardez ça, je me retrouve 7ème avec 3 shrooms. Mexique qui arrive avec ses 3 avec son étoile et en pensant qu'il a bien voulu, une petite envie de me démonter la tronche. Donc là, je vois qu'il m'a raté. Donc là j'ai une petite étoile, je vais attendre le petit moment pour m'en servir. Et franchement ce petit passage là direct à la fin d'une étoile Such qui se prend ma rouge dans la gueule. Donc là franchement ça doit être super pour lui. Donc là j'ai une deuxième étoile, je vais attendre un petit moment pour le spammer, l'utiliser tout de suite. Donc là pour le cas je vais l'utiliser puisque ça pourra peut-être servir au cas où on sait jamais. Donc là je vais me retrouver 3 avec comme dernier item 3 shrooms. Donc ça c'est en espérant qu'il n'y ait pas de choc qui tombe. Là je peux vraiment m'en sortir et réellement là ça paye puisque une rouge qui m'aura pas. Et franchement je suis un petit peu déçu pour Michigo puisque presque tout lui est tombé sur la tronche et c'est dommage pour lui. Donc là on fait top 2 avec Furious et puis Jimmy Shaker et Ichigo sont mal sortis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas qu'il y aura les autres, qu'il y aura l'Epic Racing numéro 3 qui va arriver très bientôt. Puis moi je vous dis à la prochaine. Allez salut.